Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau mini tuto. Cette fois-ci, ce mini tuto parlera du feu de camp. Le feu de camp, donc campfire. Alors, pour le campfire, il va nous falloir de la pierre. Donc, pour faire la pierre, hop, vous voyez, une source de pierre. Avec une pioche, vous tapez. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Ça va arriver. Voilà. Et vous voyez du rocks. Alors c'est pas ça hein, qu'il nous faut. Voilà, c'est de la stone que j'ai retrouvé ici. Alors on en trouve parfois en petits morceaux ici. Mais on trouve la plupart du temps du rocks. Alors évidemment, le rocks, hop, voilà. On peut le crafter en 3 stones. Un rocks égale 3 stones. Voilà. On retourne à la maison chercher le reste. On passe par la fenêtre parce que je m'en fous de la porte, voilà. On prend 4 sticks. Voilà. Et on va ranger ça. Alors, je vais le poser là. Bon, vous voyez, hein, il y a plein d'herbes. Alors moi, j'ai une astuce pour enlever toute cette herbe. C'est qu'on pose une wooden fondation. Voilà. On va poser la wooden fondation ici, par exemple. Et voilà, ça a enlevé un carré d'herbe. Bon, par contre, bon, ça coûte un peu de bois, hein, mais rien d'extraordinaire. On va casser la fondation. Et voilà. Et on se retrouve avec un coin d'herbe défriché. On pose rien du tout parce qu'on n'a encore rien crafté. Alors, pour faire le campfire, il nous faut 4 sticks et 4 stones. Et ça nous fait un campfire. Hein. Vous voyez, 14 plus 4, 18, on a notre compte. Voilà. On va poser le campfire au milieu. Et voilà, alors en appuyant sur F, on allume le feu. Ça fait une grosse fumée. Alors en multiplayer, c'est très mauvais hein, pour se faire repérer, il n'y a pas mieux. Mais en solo, on s'en fout complètement. Voilà. Tous mes tutos sont faits pour le mode solo et non pour le mode multiplayer. En principe, le mode multiplayer, tu fais pas tout ce que je fais. Voilà. Alors, à quoi sert ce campfire? Donc le campfire sert d'abord à cuire. À cuire quoi? De la viande d'animal. Donc quand on tue de la viande, quand on tue un animal, on loot de la venaison ou du cochon ou je sais pas. Enfin bref, on loot de la nourriture pas cuite qu'on peut cuire ici à l'aide de l'outil du feu là ici, fire. Mais il ne sert pas qu'à ça. Il sert aussi à faire fondre de la stone en scrap metal. Donc 2 stones égale un scrap metal. Voilà. Et on peut très bien aussi faire fondre le scrap metal en bolts. Alors c'est pratique pour le reste des tutos que je vous ai fait parce que les bolts, il faut les farmer. Et avec cette technique, on a facilement donc des bolts. Voilà, 2 pour un scrap metal, c'est super pratique. On éteint parce que bah, on n'a pas besoin de feu le jour. Et donc voilà, ce mini tuto est donc terminé. Il fut encore une fois très court. Alors je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner toujours, à aimer ma vidéo si vous avez aimé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.